La princesse Charlène de Monaco a rompu son silence sur les réseaux sociaux suite à son hospitalisation la semaine dernière. La princesse Charlène est revenue sur son compte Instagram pour promouvoir la campagne de conservation de sa fondation Croisillon Chasing Zero. Cela s'est produit une semaine après que le royal a été transporté d'urgence à l'hôpital après s'être effondré en raison de complications dues à une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge qu'elle a contractée en mai. L'épouse du prince Albert II, qui a depuis été libérée, a partagé deux histoires Instagram axées sur l'arrêt du braconnage de la faune. Les deux histoires comprenaient deux prises de vue saisissantes en noir et blanc montrant la princesse Charlène portant un maquillage dramatique pour les yeux au beurre noir et pointant un doigt vers la caméra tout en regardant les téléspectateurs. Un cliché portait le message, écrit en rouge sang, « La corne de rhinocéros n'est-ce pas cool » et invitait à faire un don à l'initiative de conservation de la Fondation Princesse Charlène. La deuxième photo ne présentait aucun message, invitant seulement les partisans du royal à « glisser vers le haut » pour être redirigés vers une page web les invitant à faire un don à la cause Croisillon Chasing Zero. Le site présente une courte vidéo dans laquelle la princesse Charlène parle de l'initiative de sa fondation. Assise à l'extérieur sur le sol, Charlène a déclaré dans la vidéo passionnée, « La corne de rhinocéros n'est-ce pas cool ? Ce n'est-ce pas cool, c'est un problème et nous devons régler cela, nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement ou sur qui que ce soit, cela commence par nous-mêmes, nous devons nous unir. Monde, derrière nous, c'est ce que je veux, c'est ce dont nous avons besoin. Il est ni grec à pas de temps, nous courons après zéro. Aidez-moi, soutenez-moi, elle a poursuivi, c'est pourquoi je suis ici, chaque personne sur cette planète a la capacité et la possibilité de rendre ce monde meilleur. Cette initiative a un lien inattendu avec Monaco, car les personnes qui font un don à la cause, qui vise à arrêter le braconnage de la faune et à éduquer les gens sur la conservation et la préservation, participeront également à un concours pour gagner deux billets pour le prochain Grand Prix de F1 de Monaco, entre autres prix. Le travail de conservation qu'elle mène en Afrique du Sud a été la raison pour laquelle la princesse Charlène s'est rendue dans son pays natal en mai. Le royal ne devait rester dans le pays que quelques jours, mais a été contraint d'y rester ancré pendant des mois après avoir développé une infection ORL à la suite d'un lifting des sinus et d'une greffe osseuse en vue des implants dentaires. Pour compenser son absence prolongée de la maison, le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella ont rendu visite à Charlène à deux reprises au cours de l'été. De plus, au cours des mois d'été, la princesse a subi trois interventions chirurgicales, la dernière ayant eu lieu le 13 août. Discutant de son état de santé en juillet, elle a déclaré à la radio sud-africaine 702, « Au départ, je devais rester ici pendant 10 à 12 jours. Malheureusement, j'ai eu un problème pour égaliser mes oreilles, et j'ai découvert par les médecins que j'avais une infection des sinus et une infection assez grave. Donc, il faut du temps pour résoudre ce problème que j'ai, soulignant qu'elle ne peut pas forcer la guérison, la princesse Charlène a déclaré qu'elle s'attendait à rester en Afrique du Sud jusqu'à la fin octobre. Cependant, après la dernière opération de Charlène, le prince Albert semblait espérer que sa femme pourrait retourner à Monaco plus tôt que prévu. Il a déclaré au magazine People, « Elle est prête à rentrer à la maison. La date de retour, a-t-il noté, dépendra beaucoup de ce que dit son médecin. » Cependant, il a ajouté, « Je sais qu'elle a peut-être dit fin octobre mais c'était avant cette dernière série de nominations. Je suis presque sûr que nous pouvons raccourcir ce délai un peu, l'interview a été publiée avant qu'il ne soit révélé que la princesse monégasque avait été hospitalisée.